Vous avez été nombreux à demander des vidéos vlog de mon séjour à Dubaï. Voilà, c'est fait. Je sors la première vidéo. Profitez. Le jour se lève. Quel beau ciel. Donc là, c'est la livraison de la GLS 400. L'une des dernières Mercedes haut de gamme. Et j'ai vraiment apprécié son côté luxueux interne. Et ses formes extraordinaires externes. Donc on va sortir de la suite pour aller prendre notre dîner. Ah, il y a un restaurant aussi apparemment. Good evening, madame. How are you? Donc on peut remarquer, là c'est le restaurant VIP pour les personnes qui ont des suites. Merci. Good evening, madame. Good evening. Bon, là, c'est free, hein. On peut manger comme on veut. Donc, on va passer à table. Self-service. Donc, on est à table. C'est parti. Une vue sur la magnifique ville de Dubaï. Donc, on sort de l'hôtel. Les vigistes sont allés chercher le véhicule. Et c'est arrivé. On y va. Allez, c'est parti. Bon, actuellement, on est en train d'aller à Dubaï Mall. On vient juste d'arriver. Je savais pas, Dubaï Mall, c'est le plus grand centre commercial dans le monde, avec également le plus grand parking dans le monde. Parce qu'ils ont jusqu'à, je pense, 7 niveaux de parking, peut-être même plus, parce qu'on n'a pas traversé le 7e niveau de parking. Mais voilà, ils ont un parking très grand. Sa superficie s'étend sur 1,1 million de mètres carrés, avec plus de 1200 magasins. Des magasins qui contiennent des restaurants, des salles de cinéma, des attractions touristiques. Et installation de loisirs. Si vous remarquez, il y a beaucoup de visiteurs car il y a des shops vraiment dans tous les sens, avec également des restaurants. C'est vraiment magnifique paysage que j'ai eu à découvrir à Dubaï. L'environnement, l'éclairage et tout, le décor. Là, si vous remarquez, nous sommes dans un espace où il y a carrément de l'eau qui coule à travers le mur. Avec des statues au même sens de l'eau. C'est quand même incroyable de se rendre compte à l'intérieur de ce centre commercial et puis avoir des designs comme ça. On a également pris des photos. C'est marqué ici, ils ont fait un design sous forme de cœur. Et il y a pas mal de personnes qui prennent des photos là-bas, en l'occurrence des couples. C'est juste magnifique. Comme vous remarquez, ils font du ski à Dubaï. Dubaï, en fait, c'est une zone désertique, il n'y a que du désert. Et en principe, il ne devrait pas y avoir de glace. Mais là, vous remarquez, ils ont de la glace à Dubaï. Ils font du ski à Dubaï, les amis. C'est juste magnifique. Vraiment et vraiment impressionnant. Il n'y a que des objets de luxe ici. Hein. Là, si vous remarquez, il y a une map. Si vous cliquez dessus, eh bien, cette map pourra vous donner la carte, en fait, de tout le Grand Mall. Bon, là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, si on tape, je sais pas moi, par exemple, ça. Vous voyez, il y a la map en fait du Grand Mall. Ça, c'est juste en fait un immeuble. Hein. C'est comme un quartier dans lequel en bas, au sous-sol, il y a un grand parking. Et puis en haut, il y a des shops qui sont versés un petit peu partout. Et c'est vraiment très, très impressionnant. Donc voilà. J'adore l'environnement, les amis. C'est vraiment. C'est vraiment waouh. Tu peux tout acheter ici, tout ce que tu veux, que ce soit. Des maillots de sport, des chaussures de sport, manger, des sacs à main, il y a tout en fait. J'ai l'impression qu'on est sur 2 km² de shop qui va à peu près jusqu'à l'infini parce que ça fait près d'une heure de temps qu'on marche et il n'y a pas de fin en fait.
la supermarché et les shops qui vendent un peu de tout. En général, ce sont des produits de mode, ce qu'on a pu voir. Les escaliers très propres. Donc là, on est à l'aquarium. C'est magnifique, mais actuellement, apparemment, c'est fermé. Donc on reviendra demain. Comme on maquille, il y a des poissons qui volent, en fait. Il y a des poissons qui nagent, en fait. On a des poissons qui volent parce qu'ils sont en altitude, donc du coup... Waouh. Bah, on reviendra demain. Daniel, on y va. Et apparemment, il y a un tunnel à l'intérieur. Hein, donc on peut entrer de l'intérieur et avoir l'impression d'émerger. Very impressive. Very interesting. Wow. On reviendra demain, les amis. Et celle-là. Oh, damn! Vous voyez le ciel, les amis? C'est juste impressionnant, impressionnant, déchet impressionnant. Et là, apparemment, même le mur est composé de petits écrans, en fait. Vous voyez? It's just magnifique. Regardez le poisson. Regardez ça. Le requin. Ah, le requin. Wow. Un petit recours alors, c'est ça? Et on nage à l'intérieur. On paye combien pour nager à l'intérieur? Donc ici, ils m'ont servi une sorte de biscuit croustillant, légèrement salé. Et il y avait du vide à l'intérieur. C'était très frais en fait. C'était étrange. Par la suite, on a visité un petit peu le côté externe du Dubai Mall. C'est très grand, ils ont une façade très grande. Slot. Avec des véhicules de luxe un peu de partout. Sinon, ce que j'ai apprécié à Dubaï, c'est que les habitants étaient très aimables, très sympathiques, enthousiastes. J'avais l'impression d'être chez moi. Oui, le décor est juste magnifique. On est rentré au parking, prendre le GLS 400 et rentrer à la maison. Donc aujourd'hui, on a seulement checké les lieux et puis demain, on aura visité l'aquarium et ensuite faire des vidéos et photos là-bas parce que c'est un environnement qui est très génial. Il y a énormément de détails et j'ai juste envie de découvrir ça demain. Là, on est dans le trafic. Regardez, la ville, elle est juste très lumineuse. Il y a juste le Burj Khalifa là à ma gauche, si vous remarquez. Le Burj Khalifa, si vous ne connaissez pas, c'est la tour la plus haute du monde. Elle fait environ 850 mètres de hauteur, presque un kilomètre, avec jusqu'à 154 étages. On ira également là-bas après-demain, par curiosité. J'ai également envie de découvrir la magnifique vue de Dubaï en allant au Burj Khalifa. Ce qui étant au Burj Khalifa, au 150e étage, on a la possibilité de voir toute la ville de Dubaï. Là, on vient juste de rentrer à l'hôtel et la soirée a été magnifique. Moi, je remets l'électrovigile pour qu'il aille packer les véhicules. Et puis, on va prendre l'ascenseur. Babe. On y va. On a profité pour prendre quelques photos également, c'était pas mal. J'ai adoré. Allez à toutes, je vous laisse. C'était Jerry Kangong.